Moi, c'est Arthur Pires, 28 ans, défenseur central à l'Entente, Ittan-Courneuville. Alors, pour l'analyse du match, c'était un match plutôt compliqué au niveau des conditions, hein, puisqu'il a plu toute la journée, tout le match, même ça faisait plusieurs jours qu'il pleuvait. Le terrain était hyper gras, il s'est très vite dégradé. Au bout d'un quart d'heure, le terrain était catastrophique. On ne pouvait pas poser notre jeu, et puis bon, Croix non plus. Et c'était peut-être à notre avantage puisque c'est une équipe qui était supérieure d'un niveau à nous et qui joue la montée en National 2. Première mi-temps plutôt équilibrée. On a des occasions plus franches qu'eux et on arrive à être efficace puisque Jeffrey met un doublé en 20 minutes. On prend un but avant la mi-temps qui nous fait un peu mal au moral. Voilà, en entrant à la mi-temps, on se dit qu'il faut faire très attention le premier quart d'heure, rester solide, pas prendre de but. Ce qui est arrivé, on a réussi à garder la maison. Malheureusement, on encaisse un but à la 80e minute, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 2-2. Et puis là, bon, le coach, il a fait les changements, tout ça. Et puis, les gars ont fait le taf, puisque le dernier but, donc le troisième, est amené par deux entrants. Après, concernant la préparation du match, bon, ça a été comme d'habitude, hein, on s'est entraîné sérieusement la semaine, durement, malgré les conditions climatiques compliquées. Bon, le coach s'est pas attardé trop sur l'équipe de Croix comme d'habitude, hein, mais il veut vraiment qu'on respecte nos principes de jeu, hein, repartir de derrière, presser, ne pas rester derrière et mettre le bus et puis attendre que ça se passe, quoi. Voilà, c'est pas notre principe de jeu. Après, avec les conditions du terrain, comme je l'ai dit avant, conditions de match vraiment compliquées, du coup on s'est adapté et repartir de derrière tout le temps. Les passes au milieu dangereuses dans nos 40 mètres, là, c'était vraiment compliqué. Donc, on a évité et on a opté pour un jeu plus direct. L'égalisation, ouais, ça fait mal au moral, encore une fois, comme le but avant la mi-temps. Maintenant, il restait 10 minutes de jeu, sans compter les arrêts de jeu. Donc, il y avait toujours possibilité parce qu'ils jouaient vachement haut. Nous, on a reculé. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a pris le deuxième but. Donc, il y avait forcément des espaces chez eux, et puis nous on avait fait rentrer deux offensifs, donc Bilal Belich et Maxime Duflo. Et puis il y avait Mehdi Belich qui est assez rapide sur le côté gauche, donc il y avait moyen de les avoir en contre, et c'est ce qui est arrivé sur le troisième but, le but de la victoire. C'est une fierté pour le club, pour nous les joueurs, parce qu'atteindre un huitième tour, ça arrive pas à tout le monde. Voilà, on est une régionale 1, on a battu Wascal qui est National 2. On a battu la Croix qui est National 3. Et puis prochain match, on joue contre l'Entente Fénioles-Nord. Encore un sacré morceau avant d'atteindre maintenant l'objectif qui est d'arriver au 32e de finale. Ce qui serait quelque chose d'incroyable pour le club, le petit club de 2000 habitants, dans un village de 2000 habitants qui est Ittan-Court. Voilà, vraiment club familial. Et puis ouais, tout le monde était. Quand je vois la fête que c'était après le match, je me dis que si on arrive encore à passer la marche, la grosse marche qui est Fény-Aulnois, ouais, ça serait magique.